Coucou les amis, bienvenue dans notre nouvelle vidéo. On va vous présenter la partie 2 du kit original Stationery, kit de fabrication de slime, édition Galaxy. Je vous mets bien sûr le lien dans la description de cette vidéo de la partie 1. C'est parti! Donc on va commencer par la première recette de cette deuxième partie qui est le slime de Supernova en explosion. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va prendre un petit bol. Voilà, pour commencer, 30 ml de colle à laquelle on va ajouter 30 ml d'eau. On mélange bien l'eau et la colle. Une fois fait, on met ça dans notre petit bol de préparation. On ajoute des paillettes flocons violettes. Ou la couleur qu'on veut d'ailleurs, hein, c'est un petit peu au choix dans les recettes. Moi, j'ai choisi les paillettes violettes. Je mélange bien. Je rajoute maintenant mon activateur. Donc, comme j'ai mis de l'eau avec ma colle, bien sûr, je mets un peu plus d'activateur. Sinon, ça va être trop collant. Voilà, 3 cuillères. On voit déjà ce que ça donne. N'en mettez pas trop d'un coup. Il vaut mieux en rajouter après. Sinon, votre slime va devenir tout dur. Ce sera un peu du gâchis. Ce serait dommage. Alors, c'est toujours un peu récupérable. Mais c'est bien d'essayer de le faire bien tout de suite. On va mettre les petites étoiles en plastique phosphorescente qu'on avait vu au déballage dans la partie 1, au déballage du kit. Dans la partie 1, vous avez le déballage et les deux premières recettes du kit. Donc, je vous mets, comme je vous l'ai dit, le lien de la partie 1 dans la description de cette vidéo. Et voilà. C'est super joli. Donc, les étoiles sont censées être phosphorescentes. Voilà, je vais l'installer sur la table. Je vais éteindre la lumière et on va voir ce que ça donne. Alors, je vais les recharger avec la lumière UV, ma petite lampe UV, parce que ça n'a pas eu le temps de prendre bien la lumière. Voilà, ça recharge très rapidement les choses phosphorescentes. Je vais recharger un petit peu par là. En tout cas, c'est super beau. Et voilà, vous voyez, en l'ayant fait déjà quelques secondes, ça a déjà un petit peu rechargé les petites étoiles. Ça donne vraiment quelque chose de trop, trop beau. Voilà, on peut conserver dans le petit conteneur en forme de boule auquel vous pourrez attacher au-dessus, je vais y arriver, le petit cordon. Et on passe à la deuxième recette de cette partie 2 et la dernière recette de ce kit avec du colorant rose fluo, des paillettes flocons bleues. On mélange bien. Alors, les paillettes flocons peuvent altérer un petit peu la couleur que vous avez fait. Vous pouvez rajouter un peu de colorant. On rajoute de l'activateur. Je vais mettre une cuillère et demie pour le moment. Elle s'appelle, cette recette, la boue spatiale. Et voilà. Au niveau de la texture, moi, ça me plaît bien. Donc, 5 minutes de malaxation nécessaire à bien former votre slime. Et je vais rajouter plein de boules de mousse pour avoir un slime super craquant. Ça, j'adore l'effet sous les doigts, que ça craque, c'est génial. J'espère que vous avez aimé aussi. N'hésitez plus, abonnez-vous en attrapant le petit chat dans la bulle. Retrouvez-nous très vite pour plein d'autres vidéos, un petit like, des petits commentaires. Et en attendant, je vous dis à très très bientôt les amis.